tout le monde! Donc là, il est. Il est quelle heure? Je sais pas. Je me suis Midi levée et à demi midi environ. 5, fait qu'il doit être midi et demi. Anthony! Eh oui, c'est moi. Eh oui, c'est toi! Il a emporté son. Il a été. Lui, s'est levé. Quelle heure tu t'es levé? 9h30. Ouais, puis il a été chercher son frère, Et fait que j'ai là. été lavé l'auto. Ouais, il était lavé l'auto, comme on a C'est à un côté de chez abonnement. maman. Ouais. Ok. Mais c'est pas loin d'ici, pareil, là. Puis, ouh! Puis c'est ça, il était chercher son frère Marco. Fait que là, son frère Marco, il est ici, puis il joue. Enfin, il jouait à des J'ai jeux. joué en train, j'ai juste à manger, j'ai faim. Ouais, il va nous faire la soupe. Bon, on va faire des nouilles, pas de la Des soupe. nouilles, c'est de la soupe. Pas de la soupe. Oui. Non. Je l'ai fatigué. T'es fatigué. Je t'ai Ouais. couché tard hier, tu m'as empêché de dormir. Non, tu dormais. Quand je me suis réveillée, j'ai dit. Quand je me suis couchée, j'ai dit, ton cellulaire, il flash. Là, tu regardais l'heure, j'ai dit, il est juste 2h30. Là, je pensais que ça Oui. faisait longtemps, j'ai jamais lâché pas me lever pour aller, je sais pas, tout. Ça faisait même pas 1 heure que tu dormais. Donc, c'est ça. Alors, aujourd'hui, c'est la fête à ma soeur. Mais en fait, sa fête, c'est le 25. Mais en fait, aujourd'hui, là, le samedi. Puis, je vais lui donner ses deux cadeaux. Puis, on va aller manger au restaurant. C'est elle qui va choisir le restaurant. C'est ça. C'est ça qu'on fait aujourd'hui. Puis, je vais finir d'éditer ma collection maquillage. Je vais finir d'éditer ma collection maquillage. Puis là, je mets un vlog en ligne. Donc, je vais éditer d'autres vlogs aussi. Qu'est-ce que tu Hein? fais? Je t'aime. On sait. Hello tout le monde. Donc, là, je me suis préparée. Comme on va aller au resto pour la fête à ma soeur. Donc, en fait, ça, c'est mes cheveux d'hier. Fait que j'ai mis comme du shampoing sec, là. On dirait que mes cheveux, ils poussent vraiment vite. Là. Je capote. Il me semble qu'ils étaient comme plus courts que ça, là. J'en reviens juste pas. Puis pourtant, on dirait que juste. Tu sais, il n'y a pas de temps de pousser, mais. Oh, mon Dieu. J'en reviens pas. En tout cas, puis j'ai utilisé la palette de Marc Jacobs, la Lolita. J'utilise pas assez souvent, puis c'est une palette qui coûte cher. Donc, j'ai décidé que j'allais l'utiliser plus souvent. Puis, j'ai mis Sweet et Sour, je pense, de MAC sur les lèvres. Parce que ça fait un peu corail. Puis, là, dehors, il fait beau. Puis, quand il fait beau, moi, ça me fait penser au printemps. Qu'on est bientôt au printemps, en fait. Puis, que j'aime ça, les couleurs corail au printemps. Printemps-été. Donc, voilà. Et là, ma soeur. Elle a décidé qu'on allait au Dallas. Donc, on va au restaurant Dallas. Dans le fond, ça remplace le Score sur Sherbrooke, qui est comme le même buffet que le Score, en tout cas. Mais c'est vraiment bon, là. Donc, voilà. Je vais aller là. Puis, j'ai juste mis un t-shirt. Puis là, je vais faire le lit. Puis, je vais ranger un peu la cuisine. Non, donc là, attendez, je vais fermer la porte parce qu'il écoute encore un film. J'ai décidé de faire comme un gros ménage, là. Fait que j'ai nettoyé. Ouh! Il me reste juste à nettoyer plus ma chambre, mais j'ai fait comme toute la cuisine. J'ai fait la salle de bain. Et puis, Dieu sait que je déteste faire la salle de bain. Donc, j'ai fait le plancher, tout. C'était dégueulasse, ok? Oh! J'haïs ça, nettoyer ça. Le plancher, la toilette, le bain, tout, 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 ok? Puis, c'est ça, là, je me suis fait en fin de compte une couette. J'ai mis une petite boucle du Ardennes. Puis, j'ai ressorti aujourd'hui mon. Attendez, je vais me coucher. Ça fait du bien. J'ai ressorti mon bronzer Laguna. Je l'aime bien, The Nars, là. En plus, c'est presque fini. Il me reste juste les bords. Fait que je vais le finir. Ouais. Donc, je vais vous montrer. Parce que dans ma cuisine, j'ai mis une chandelle que j'aime trop. C'est mon centre de table. J'ai mis la nouvelle chandelle que j'ai achetée, Beach Cabana. Puis, oh mon Dieu, c'est la chandelle parfaite pour la cuisine. Elle sent super frais, propre, mais vraiment comme printemps en même temps. Donc, je l'aime bien. Puis, c'est ça mon centre de table. J'ai besoin d'acheter un petit peu plus de petites billes pour les fleurs. Je pensais pas qu'il m'en faudrait plus. Puis, j'avais mis comme juste les petits diamants comme ça que j'avais acheté au 1$. Comme ça, dans le plateau. Je trouve que ça fait full beau. Puis, il faut le printemps. Là. Donc, j'aime ça. Fait que, c'est ça. J'ai fait comme toute la cuisine, là. Puis là, qu'est-ce que je vais faire? J'ai des genres de classeurs comme ça. Bureau en haut. Puis là, je vais classer mes papiers pour mes impôts, là.
parce que je vais faire mes impôts pendant la semaine de relâche. Je commençais à classer mes papiers, c'est pas juste pour les impôts, là. Je suis classée aussi des papiers de mes formations continues et tout. Puis ça, c'est ma revue de l'Ordre des hygiénistes dentaires du Québec. C'est l'explorateur, là. Donc, comme vous pouvez voir, l'Ordre des hygiénistes dentaires, donc on reçoit ça. Puis, dans le fond, je l'avais pas regardé, mais c'est la première page que j'ouvre. Ça dit, tu sais, c'est une grosse publicité des centres dentaires, là. Chez les centres dentaires, les hygiénistes sont des professionnels de première ligne. C'est le fun, en tout cas. Que ça dit « Joignez le plus grand réseau du domaine dentaire au Québec ». Puis, je pense que ça dit « Ouais, ok, ça dit dans le fond partout où ils sont, là, les centres à pointe ». Puis ça dit les avantages. C'est ça parce que moi, comme j'ai un régime de retraite avec participation de l'employeur, comme c'est écrit, mais c'est comme il n'y a aucun centre dentaire qui ait un régime de retraite ou vraiment presque pour les hygiénistes dentaires parce que tu dois comme t'arranger comme toi-même. Mais moi, j'en ai. C'est fun. Ça dit toutes les trucs positifs qu'on a, genre formation, plan d'assurance, remboursement, la cotisation professionnelle. Mais ça, c'est après 2 ans. Comme là, je dois payer cette année. Ça fait chier parce que c'est cher, mais là, je dois payer cette année. Le remboursement des frais d'inscription aux journées dentaires, plan de traitement de soins dentaires, rabais de divers partenaires, primes de fin de semaine, activités diverses, possibilité de transfert dans un autre clinique à travers le Québec. Bon. En tout cas, je trouvais ça bien drôle parce que j'ouvre, puis c'est la première chose que je vois là. Donc voilà. Non, donc là, on vient d'aller reconduire le frère Anthony. Marco. Donc, vous voyez en arrière les 2 cadeaux pour ma soeur. Donc, je vais y donner, mais pas au restaurant. Après, on va aller manger un dessert. Donc, je pense que ma mère a acheté un gâteau, quelque chose. Ah! Mon Dieu, désolée. Donc, on va aller. En plus, on est en train de la préparer. Hein? Ils sont tout le temps en train de la réparer, mais comme tu vois, ils font juste mettre des patchs puis ils sont pas à la même hauteur. Fait que c'est ouais. Crée plus de basse. Fait que, c'est ça. Et je vais y donner après le restaurant. C'est le cadeau. Puis, on est proche du resto, là. Donc, ça va rapide, là. Ouais, 5 minutes. Comment ça va de manger? T'as hâte de manger, Anthony? J'ai faim. T'as faim? Moi, pas tant, parce que ma mère voulait manger tôt. Elle voulait manger à 5 heures. C'est tôt 5 heures. Ça fait de la salade que j'ai pris. Bon appétit. Une soupe. Bon appétit. J'ai une crème de céleri. Du poulet noué. Je vais me prendre une soupe après. Moi, filet de poulet. Juliane, demi-côte levée. Pierre Pierre-Anthony. D'habitude, un burger. Un burger. Tu m'en plais ton burger? Burger. Yam yam. Je prends plutôt une bio là. Une bio. Ah oh ben là, t'aurais-tu le dire avant? C'est quoi que t'as eu aussi de maman? Ça? Ouais. Ah ben ben c'est pour l'affaire de la calligraphie. Ouais, je sais pas écrire. Quoi? ça doit être mixé avec des. T'inquiète, peu qu'on prenne. Mais montre-le, attends, je zoome. On est là pour un canavant, t'as pas de place? Bon, ouais, jaune. Fait qu'il y a des calligraphies. Ma sœur a voulu ça. De parking libre maintenant. Oh. quand il y a trop de neige, là. T'as aussi un gros livre de chevaux. Oui! Que ma mère a laissé le sac, puis laissé le prix. Regarde celle-là. Wow! Ma maman, plus beau, c'est le noir. Et même qu'ils l'ont peigné. Le noir avec la crinière, le blanc avec la crinière noire, c'est mon plus beau. Ma sœur, elle aime les chevaux pis les hiboux. Ah ouais! Lui, il fait là, il est long. J'ai fait un zoom sur ta face. Ouais, il était marqué, moi. Ah oui! Regarde, Anthony! Ah, celle-là! Ah, c'est un mec! Face à Juliane! Chanceux, il a l'air d'une femelle. Tu veux-tu dire quelque chose à mes abonnés, Juliane? Allô! 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 On t'a le visage, je trouve. J'ai chaud. Elle chauffe et elle regarde, regarde, voir maman dans la caméra. Regarde les Budweiser. Regarde les Budweiser, là. Les grosses pattes. Manuscrit. J'ai un manuscrit, ouais. Maman. Oui, c'est pour te pratiquer, là. Des chairs. Dans l'autre, ils disent. Profiterol. Profiterol. Bon. C'est le dessert. Est-ce que ma sœur, elle ouvre ses cadeaux. Ça, c'est à toi. Ça, c'est comment ma mère emballe ses cadeaux, ça. Non, mais à matin, il y avait les enfants à l'eau, là. J'avais pas. J'ai donné, ben tu sais, c'est un des cadeaux que j'ai donné, là, le hibou, parce qu'elle voulait le même que moi. Puis là, elle a eu des pinceaux pour la peinture. Faire des effets. Elle les a mis dedans. Il est beau celle-là. C'est bon.
Voilà. Que... Là, elle va développer son autre cadeau puis on mange. J'ai des parents en même Ça, c'est Anthony. Ça, c'est notre voyage en République. Anthony et ma maman. Julien qui s'était fait faire des tresses puis qui pleurait. Y'a-tu autre chose après? Oh, Anthony. Mais ça, c'est il n'y a pas tant longtemps que ça. L'année passée. L'année d'avant. Trois ans. Super musclé sur la plage. Ah oui! Super musclé sur la plage. Je me rappelle. Et nous, tout le monde. Donc, j'avais oublié que je pouvais filmer dans mon salon maintenant que j'ai une lumière. Là. Ah! Bon, aujourd'hui, là, j'ai juste de faire Insanity jour 47. Fait que là, il est 11h24. C'est pour ça que j'ai les joues un peu roses, là. Aujourd'hui, c'était comme un double entraînement, là. Dans le fond, il y avait... C'était le Max Conditioning quelque chose. Je ne me rappelle plus. C'est un entraînement de 50 minutes. Mais comme il est plus court que les autres jours, parce que la plupart des autres jours, c'est une heure. En tout cas, dans le deuxième mois. Parce que dans le premier mois, c'était comme environ 40 minutes chaque entraînement. Là, c'est une heure. Mais comme lui est moins long, 50 minutes, c'est qu'il est comme... Il n'y a pas de pause entre chaque entraînement que tu fais. Dans le fond, ce n'est pas des séries. C'est comme... C'est pour ça que c'est une minute par exercice. Puis c'est tout différents exercices pendant les 50 minutes. Là. Fait que... Ah, c'était quand même intense. Là. Mais c'est ça. Puis après ça, c'est ça dans le fond. En plus, après ça, il fallait faire... C'est comme sur le même DVD, mais l'autre entraînement, c'est cardio abs. Donc ça, c'est le même cardio abs que je faisais dans le mois 1. Puis cet entraînement-là, je l'adore là, pour vrai. Là. C'est juste un 16 minutes, mais c'est pour ça qu'il est combiné à un autre jour. Mais c'est juste comme... Ah! C'est juste pour les abdos. Ok. C'est le fun. Ça fait plusieurs me demander une photo avant-après, mais je suis même pas sûre que j'ai pris une photo avant, là. J'ai juste comme pris des photos au courant de l'entraînement là, que j'ai mis sur Instagram à mes Olympiques. En tout cas, fait que c'est ça. Fait que là, j'avais ma couette encore. Ah! Puis, qu'est-ce que j'allais dire? Aujourd'hui, j'ai eu comme une idée spontanée d'un tatou que je voulais sur ma cuisse. Parce que je vous l'ai déjà dit, je pense que je fais un gros tatou sur ma cuisse. Je trouve ça tellement beau, du tatou sur les cuisses. Mais comme un gros tatou, là. C'est vraiment beau, là. Une belle pièce, là. C'est plus gros que ça, là. Ok. J'ai une idée. J'ai hâte. En tout cas, fait que c'est ça. Puis, là, j'allais dans la douche. Puis, ma mère m'a passé sa balayeuse. Que je lui ai demandé si elle pouvait me la prêter parce que, dans le fond, j'en ai pas. Moi, je passais comme le balai. Mais c'est pas pratique ne pas en avoir. Surtout que j'ai comme... Tu sais, j'ai... un tapis, ben pas mon balancier c'est du bois là, mais j'ai comme un tapis dans le salon, puis un tapis dans ma salle de maquillage qui est blanc, puis un tapis en dessous de la table à cuisine, fait que comme, ça va être pratique de passer la balayeuse. Puis aujourd'hui, c'est ça, je suis tellement contente parce que d'habitude mon ménage je le fais tout le temps le dimanche au complet, genre. J'ai juste comme pas fait complètement ma chambre, là, mais la cuisine est intensément bien faite. Puis la salle de bain aussi, genre, j'ai nettoyé les planchers, j'étais à terre avec une brosse là, à nettoyer, fait que je suis contente. Comme ça, demain, ça va être vraiment une journée plus relaxe. Puis j'ai eu le temps, même tantôt, j'ai édité un vlog, un vidéo, achat. Donc là, demain, je vais avoir... En plus, aujourd'hui, j'ai mis ma collection maquillage en ligne, puis un autre vlog. Puis demain, dans le fond, je vais avoir le temps d'éditer plusieurs vlogs, de répondre aux commentaires sur mes vidéos. Parce que, désolée, je vous réponds tout le temps, mais hors tard. Parce que quand que je mets les vlogs c'est... ou plein de vidéos, c'est souvent la fin de semaine. Puis là, je réponds comme la semaine d'après, la plupart du temps, aux commentaires. Parce que souvent dans la semaine, comme ben, lundi à mercredi, je n'ai jamais le temps là, de répondre aux commentaires. Fait que ça tombe... Puis le jeudi, je travaille aussi. Là, fait que ça tombe tout le temps, vendredi, samedi, dimanche que je fais ça. Mais inquiétez-vous pas, je réponds tout le temps à vos commentaires. Si je peux pas répondre, si je réponds pas, là, c'est parce que c'est à cause de Google Plus, parce qu'il y a certains comptes que je peux pas encore répondre. Je pense qu'il faut que vous me suivez sur Google Plus ou je sais pas trop, là. En tout cas, c'était... J'ai remarqué la boucle fait ressortir mes yeux. En tout cas, par rapport. Puis là, c'est ça, j'allais dans la douche. Puis après, je pense que je vais finir le vlog ici, là. Mais...
j'ai écouté des vidéos du iMats parce que, ben, des Sacha iMats, elle est, je vais en chercher sur YouTube parce que là, j'ai vu que Anastasia allait être, il s'est rajouté dans la liste des kiosques qui vont être au iMats, puis je suis tellement contente parce que je me rappelle qu'il y avait, comme le monde disait, qu'il y avait un bon rabais au Anastasia, puis je vais l'acheter la pommade pour les sourcils, puis aussi la poudre pour les sourcils. Quoi, même si là, j'ai trouvé un bon produit pour les sourcils, mais je voulais aussi les essayer. Fait que, comme il va être encore plus à rabais. Ce que j'expliquais à Karine, c'est que ça, j'ai resté ça à l'école. C'est censé représenter le ventricule gauche du cœur. Et la paroi, c'est les parois dans le fond, l'apex, le septum, antérieur, latéral, inférieur, postérieur. Alors, c'est comme ça. Il voulait que je devine c'est quoi. Ouais, elle a pas deviné, elle a dit c'était une bouche. Je suis en train de regarder. Je regarde. Je suis comme les antérieurs. Ça ressemble moi, pas à une bouche, ça au moins. Mais je sais que ça ressemble pas à une bouche. Le ventricule droit. Ah oh, oui, ça ressemble. Ben oui, comme ça. Puis là, le ventricule gauche. Comme, moi, je vois antérieur. Je suis comme ah, les antérieurs. Ok, peut-être pas ça. Les inférieurs postérieurs. C'est pas moi qui l'a fait, c'est le les latérales. Hein? C'est pas moi qui l'a fait, c'est le professeur qui l'a donné à toute la classe. Les latérales. Moi, tout ce que j'ai fait, c'est des trous de temps, comme on peut voir là. Pourquoi? J'ai rien à faire avec mon crayon.